الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على شفيعنا وحبيبنا وقرة عيوننا الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابة الأبرار أجمعين. أما بعد، نتوقف اليوم عند أمر عظيم. بعد أن كنا تدارسنا وإياكم بعضا من قيم الجمال لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتوقف اليوم عند معاني أو تاريخ أو نفحات من فرضية الصلاة، الركن العظيم، العمود الفقري لهذا الدين. Donc, après avoir vécu ensemble des moments magnifiques autour des valeurs de Sayyidouna Mohamed Sallam, ce que j'ai appelé la série de la beauté mohammedienne, je vais m'arrêter un moment aujourd'hui concernant un sujet très important, qui est même l'épine dorsale de la religion, qui est l'obligation de la prière et justement son histoire un petit peu et sa grande importance. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, dans un premier temps, Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. La prière est sûrement une obligation minutée, chaque prière a son temps défini, prescrite aux croyants. Wa yaqulu az-zamqa'il wa aqim as-salat, inna salata tanha 'an al-fahsha'i wal munkar wa la dhikru Allahi akbar. Fais correctement la prière, car la prière détourne, éloigne des actes immoraux et des évoables, et l'invocation d'Allah est encore plus grande. وعند مالك في موطئه يحيى بن سعيد a dit, on me fait savoir que la prière salat sera la première à être examinée, jugée, le jour de la résurrection, le jour du jugement, parmi les œuvres du serviteur. Si elle sera acceptée, on passera à ses autres œuvres. Mais si elle ne le sera pas, on ne tiendra pas compte de ses autres œuvres. Donc, ça vous met en situation de ce grand pilier parmi les cinq piliers de l'islam. L'importance de ce pilier est liée certainement à quelque chose de très important quand on va chercher l'histoire de cet ordre magnifique qui nous vient d'Allah. Ce pilier de l'islam, effectivement, a été révélé, le seul pilier de l'islam qui a été révélé au bien-aimé Sayyidouna Mohamed Sama, de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, par-dessus les sept cieux, au terme de la nuit de l'ascension, Laylat al-Mi'raj, où le prophète Sama fut l'invité d'honneur du Seigneur. Dans had le fard l'adim, le rukn, l'ahd, faradahu l'haq azza wa jal, min fawqi sab'a samawat, duna wasitati Jibra'il. C'est le seul pilier de l'islam qui a été révélé en direct, sans l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Et ça démontre au passage le privilège de Sayyidouna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque justement cette révélation fait suite à ce qu'on appelle l'année du chagrin, Amul Huzn. Ba'da an ibtuliya Moulana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi wafati ammihi Abi Talib, alladhi kana yudafi'u anhu. وزوجته بعد ذلك زوجته خديجة سمي ذلك العام عام الحزن فأراد الحق عز وجل أن يسلي على حبيبه ويبين لحبيبه قدره العظيم عند مولاه فكانت هذه المعجزة معجزة الإسراء والمعراج وكان بعد ذلك فرضية الصلاة. Donc je disais donc, Sayyidouna Mohamed Sama, quelques mois à peine après la révocation de cet embargo qui était injuste envers Sayyidouna Mohamed Sama et ses compagnons, où effectivement ils ont souffert de la famine après les persécutions,
Eh bien, son oncle Abu Talib, qui était son allié principal, est mort. Et tout de suite après, il y a eu la mort de son épouse fidèle, Khadija. Donc, vous imaginez la grande peine de Sayyidina Mohammed Salama, surtout que ces deux personnages étaient évidemment des alliés, et Khadija plus qu'une alliée, une confidente, une épouse fidèle jusqu'au bout. Elle a défendu Sayyidina Mohammed Salama et le message de Sayyidina Mohammed Salama jusqu'au bout, par tout ce qu'elle avait. Sa richesse, sa notoriété, etc. Et effectivement, elle était la première femme à embrasser l'islam. Sayyidatuna Khadija bint Khuwaylid radhiyallahu anha. Donc, suite à cette peine énorme, et suite aussi à l'épreuve de Taïf que nous avons déjà citée et détaillée, où effectivement les polythéistes ont commencé à lui jeter des pierres à Taïf, il était en sang, il a prié Allah tabaraka wa ta'ala, pour que ces gens-là soient guidés. Donc, face à toutes ces hostilités, face à ces épreuves énormes qu'on vient de citer, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu soulager son bien-aimé, son Khalil, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu le soulager et surtout lui démontrer sa grande valeur auprès d'Allah et auprès des habitants des cieux. Et donc, c'était le grand miracle de la nuit de l'ascension. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été convoqué, on va dire, pour être l'invité du Seigneur, l'invité d'honneur. Et quel honneur et quel privilège, puisque aucun être humain, aucune créature même, n'a eu ce privilège. Ce privilège, mes chers frères, mes chères sœurs, démontre également que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sans conteste et sans aucune ambiguïté, et sans aucun doute, à l'unanimité des savants sunnites, khayru khalqillahi ijma'in, la meilleure des créatures. Même meilleur que Jibra'il, puisque c'est Jibra'il qui a conduit la monture du bien-aimé Sayyidina Muhammad Salama. Et quand il a fallu rencontrer le Seigneur, Jibra'il a dit, Sayyidina Jibril, idha dakhaltu ihtaraqtu. Idha ihtaraqtu, ihtaraqtu. Si je dépasse cette limite-là, je brûle. Mais toi, tu pourras dépasser aussi de la Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tu es prédisposé, parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, t'a choisi. Et donc, effectivement, Sayyidina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a pu être à Sidrat al-Muntaha. Le lotus de l'infini. Où nul créature n'a pu être. Et ça montre, c'est la deuxième preuve qui montre qu'il est au-dessus de Jibril et des anges. Puisque même les anges n'ont pas eu cet accès privilégié. Inda Sidrat al-Muntaha, indaha Jannat al-Ma'wa, idyarsha Sidrat ma yarsha, ma zagh al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati Rabbi al-Kubra. Et ces détails-là, vous les retrouverez dans Sourate al-Najm, l'étoile. Donc, quelle magnifique rencontre, quel magnifique moment. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant d'en arriver là, il est passé via Al-Buraq, et il est passé d'abord à Jérusalem pour diriger la prière de ses frères les prophètes, ce qui montre également son privilège par rapport aux autres prophètes, alayhi salam wa sallam. Il était leur imam. Et ça montre également cette unité du message, c'est-à-dire que tous les prophètes sont des frères et ils sont venus avec le même message qui est le Tawhid, qui est l'unicité d'Allah et les grandes valeurs qu'on a déjà citées, les grandes valeurs humaines. Et puis, dans son ascension, il a visité chaque ciel, premier ciel, deuxième ciel, etc. Il a rencontré les autres prophètes qui l'ont précédé. On a ces récits-là dans Bukhari et Muslim, il a rencontré Idris. Il a rencontré Jean-Baptiste, il a rencontré Jésus, il a rencontré Sidouma Ibrahim, son grand-père. Et à chaque fois, il y a eu des échanges, évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui m'intéresse ici, c'est par rapport à cette prière canonique, Salah.
Quand Sayyidina Muhammad Sallam était dans le Munajat, dans cet échange intime privilégié avec son Seigneur. Évidemment, il y a une petite divergence entre Abdullah ibn Abbas et Aïcha, que nous avons déjà cité quand on a parlé de l'Aqidah, sur la vision de Sayyidina Muhammad Sallam d'Allah. Est-ce qu'il l'a vu avec les yeux de sa tête ou avec les yeux de son cœur? Donc Aïcha dit ici que c'était les yeux de son cœur et non pas les yeux de sa tête, alors qu'Abdullah ibn Abbas, il confirme que c'était vraiment une vision une vision vraie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça montre encore une fois le privilège de Sayyidina Muhammad Sallam par rapport à Sayyidina Moussa, par exemple, qui avait demandé de voir Allah tabaraka wa ta'ala, et cette demande n'a pas été ne lui a pas été accordée. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبال فان استقر مكانه فسوف تراني قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا alors que سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم n'est pas tombé foudroyé, il a pu, grâce à la prédisposition que Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné, c'est par la grâce d'Allah qu'il a pu justement être prédisposé à ce maqam, à cette haute station et à ce privilège pour qu'il puisse recevoir en direct d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors qu'est-ce qu'il a reçu d'Allah tabaraka wa ta'ala? Quel était l'échange avec Allah tabaraka wa ta'ala à l'issue de cette nuit magnifique, de ce miracle jamais égalé, qui est la nuit de l'ascension de Sayyidina Muhammad Sallama vers Sidrat al-Muntaha, vers le trône divin? Eh bien, c'est un cadeau qui est lié au sujet d'aujourd'hui, qui est Salat, la prière. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam a reçu d'Allah Tabaraka wa Ta'ala en direct ce commandement des prières. Alors, comment? Les récits nous racontent une histoire complètement merveilleuse et magnifique à ce propos. Vous pouvez imaginer, mais je pense que personne ne peut vraiment cerner tout cela, la grande joie qu'on éprouve dans une telle station. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était dans ce qu'on peut appeler une joie tout intérieure, un bonheur tout intérieur qu'on ne peut pas imaginer, que le verbe ne peut pas exprimer dans cette rencontre avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a ressenti quelque chose qu'on ne peut pas ressentir et qu'on ne peut pas décrire, que personne de nous ne peut décrire, parce que c'est Sayyidina Muhammad Sallam qui l'a lui-même ressenti, et effectivement, c'est une science gustative, c'est un goût, c'est un bonheur intense intérieur, une jouissance intérieure. Et Sayyidina Muhammad Sallam, vous pouvez l'imaginer, et vous pouvez le comprendre, quand il était dans cette station heureuse, jamais égalée, Il n'a pas voulu revenir sur terre pour continuer sa mission. C'est pas qu'il n'a pas voulu par désobéissance, mais c'était très difficile de revenir. C'était très difficile de sortir de cet état magnifique. Adhal azim. Farah billah azza wa jalla. Munajat al-haq azza wa jalla. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui dit: eh bien, tu vas revenir effectivement pour continuer ta mission sur terre. Et l'élu, alayhi salam salam, Mustafa, ne pouvait qu'obéir, bien sûr. Et Allah tabaraka wa ta'ala, comme privilège, il va lui dire: et pour que tu puisses ressentir cet état de joie tout intérieure, ce bonheur tout intérieur, cette science gustative finalement, pour que tu puisses la ressentir, eh bien, je vais te donner un sikh à ta communauté, as-salah, la prière. Ainsi, à chaque fois que tu vas rentrer dans la prière, par cette takbirat al-ihram, Allahu Akbar de sacralité, à chaque fois que tu vas être dans cette enceinte de la prière canonique, eh bien, tu vas ressentir ces mêmes états. Et c'est pour ça que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salah. Et l'éclat de mes yeux, la prunelle de mes yeux, est dans la prière salat.
Et chaque fois, il disait à Bilal al-Habashi, son mu'addim, « Arihna biha, biha, ya Bilal, samina, biha, repose-nous avec la prière. » Donc, ce bonheur intense qu'il avait vécu, Sayyidina Muhammad Sallama, dans cet échange magnifique avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, à l'issue de la nuit de l'ascension, eh bien, il va le revivre à chaque fois qu'il est dans la prière canonique. C'est magnifique. Et donc, on lui a révélé, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a dit, je te révèle ainsi que ta Oumma, je t'ordonne 50 prières. Et vous connaissez après l'échange qu'il a eu avec son frère Moïse, de la Moussa, et pour finalement alléger à la Oumma, le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a finalement reçu l'ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala que ça ne sera que 5 prières canoniques par jour. Donc, quand je dis la journée, c'est le jour et la nuit. 5 prières quotidienne avec le mérite de 50, c'est-à-dire x10 pour chacune, par la générosité d'Allah et par sa grâce. Et il est revenu avec cette nouvelle de la prière, et c'est ainsi que va être instaurée la prière canonique pour lui et pour sa Oumma, ad vitam aeternam, jusqu'au jour dernier, après avoir eu cette salat qui se faisait avant cela, qui était la salade des autres prophètes, c'est-à-dire une salade le matin, une salade le soir. Il faut savoir que tous les prophètes faisaient la prière canonique salade. C'est pas une nouveauté dans l'islam, mais là, la nouveauté, c'est effectivement ce nombre et ce privilège magnifique qu'a eu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour démontrer, un, l'élection de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à toutes les autres créatures, à travers ce privilège de cette rencontre magnifique avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, et de deux, la grande importance de la prière canonique, comme je disais, parce que là, c'est le serviteur qui vient vers le Seigneur sur son invitation pour lui donner ce grand cadeau. Et ce pilier intrinsèque, cette épine dorsale de la religion qui est la prière. Donc, je vous laisse imaginer, bien sûr, la grande importance et les grands mérites de cette salat, qui est, comme je le disais, la première à être jugée. C'est évidemment la porte. Jugée de cette importance, et des jugés aussi des bienfaits spirituels de la prière, comme vous venez de l'entendre. C'est là où il trouvait le repos. Et pas que lui, les autres compagnons racontaient la même chose, c'est-à-dire quand ils rentraient dans la prière, ça y est, ils étaient dans un autre monde. Ils étaient dans un apaisement, dans une joie tout intérieure, au point qu'un compagnon, il avait une gangrène dans le pied, et on lui a dit, qu'est-ce qu'on fait? On doit couper. Et à ce moment-là, le médecin, il n'y avait pas à l'époque l'anesthésie générale, à ce moment-là, effectivement, il a dit, quand je ferai ma prière, alors à ce moment-là, coupé. Effectivement, il a coupé, et là, le médecin a coupé, et on n'a rien senti. Ça démontre, évidemment, la grande station de ses pieux prédécesseurs, qui étaient vraiment dans une autre sphère, avec une présence incroyable dans leur prière et dans leur acte de dévotion. Je dis ce que vous dites, ce que vous entendez. Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulai'ika alladhina hadahumullah wa ulai'ika hum ulul albab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.